Ce qu'on est en train de dire est simple. La vie de Dieu est venue avec l'appel de Dieu. La vocation fait partie de la vie. On ne cherche pas la vocation quand on a ressenti la vie. Il n'y a pas de poisson dans l'eau qui veut manger le Maggi Cube. Les hommes, avec la vie qu'ils ont, ont certains appétits qui les appellent et les attirent à certaines nourritures. L'appétit que tu as, les appétits que tu as, vient avec la vie que tu as. Au Nigeria, on raconte l'histoire d'un oiseau, un petit oiseau qui aime manger les petits piments de brousse là. Quand il mange, quand il part pour chier, il ressent la douleur et il chante que je ne veux plus manger à ta wewe encore. Je ne veux plus jamais manger à ta wewe. C'est-à-dire les petits piments là. Mais quand il finit de passer l'autre là, quand il voit à ta wewe, l'eau voilà encore. Il tombe sur ça. Est-ce que toi tu as là? Est-ce que tu as la tentation irrésistible pour manger à ta wewe? Si on ramassait les vers de terre et on mettait dans un bol et on présentait aux poissons, ça sera des Sheraton poissonnaires. Les poissons vont tomber sur ça parce que tu les as apportés dans l'hôtel 5 étoiles des poissons. Mais si on ramassait les vers de terre qui bougent là et on plaçait devant toi, tu vas manger. La vérité est que tu vas fuir la table là. La vie que tu as a ses appétits. La vie qu'on a reçue tend à certaines choses. C'est pour ça que j'ai dit la vocation suit la vie. C'est pour ça que Jean l'apôtre dit: celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que celui qui était né de Dieu, c'est-à-dire le Christ, habite en lui. La nouvelle vie a ses appétits. À vivre dans la sainteté, à plaire à Dieu. C'est lui qui pêche et du diable. Il ne connaît pas Dieu et il ne l'a jamais connu. La vie qu'on a reçue, accompagnée de la vocation, un sens de vocation qui l'accompagne, ce n'est que du potentiel. Et comme dans tous les domaines, le potentiel devient de l'utilité par la formation. Dans tous les domaines. L'agriculteur au village et l'ingénieur agronome ont le même potentiel, entre guillemets. L'agriculteur peut même avoir un plus grand potentiel dans l'agriculture. Mais la différence entre eux, c'est la formation.